matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, je commence un nouveau vlog. Puis j'avais le goût de commencer ce vlog-ci avec une présentation. Dans le fond, c'est un unboxing. Je sais, ce temps-ci, je parle quand même beaucoup des piqûres et des produits que je reçois et tout. Parce que ma soeur est conseillère, comme vous savez, et tout. Puis j'aime vraiment ça parler de ça. Fait que si jamais ça peut vous intéresser, là, quand que je reçois des produits et tout, là, peut-être que je le ferai pas à chaque fois. Mais quand je reçois des produits, là, je devrais recevoir une autre commande, là, sûrement dans 2-3 semaines. Fait que si jamais ça vous intéresse, ben vous pouvez toujours me le dire, là. Ça me fait vraiment plaisir de vous montrer ça. Donc, je vais commencer par vous présenter les pots que j'ai achetés. En fait, j'ai tout acheté ça à l'atelier de cuisine que j'ai fait chez moi. Et je vais commencer avec cette épice-là. Mon enfant, c'est sauté à l'asiatique. Comme ça. Je peux peut-être... l'asiatique comme ça. Il sent vraiment bon. Je trouve qu'il sent comme le gingembre, les soupes asiatiques et tout. Ça sent vraiment super bon. Ensuite, j'ai acheté l'épice pizza. Dans le fond, celui-là, ce que je trouve cool, là, il y a certains pots là, que c'est comme... Hein? Hein? Il est tout dans la misère à ouvrir ces pots-là. Mais bref, donc pizza. Donc ça a l'air ça. Ça, comme, ça sent vraiment la pizza, là. Le fromage et tout. Donc, ouais. Pas capable d'ouvrir le truc, mais bon. Ensuite, ça, c'est pour mon chum. C'est vraiment lui qui voulait ça, là. Il tripe ses affaires. Puis là, je sais pas trop, là, ils ont comme changé les pots, là. Le pot, il est vraiment gigantesque, là. Contrairement aux autres, là. Tu sais, c'est des pots de main. Là. Je sais pas pourquoi. Ouais, ok. Dans le fond, je vous explique que c'est pour pizza, là, c'est le même couvercle que ça. Dans le fond, ça, c'est poulet et côte barbecue. Ça va vraiment être bon, ça. Je sens que ça va peut-être être un des préf à mon amoureux, honnêtement. Ensuite, j'ai acheté le pot FCB, qui est fromage, bacon et ciboulette. Fromage, ciboulette et bacon. Puis, dans le fond, ça, c'est un de mes préf. Moi, je le fais, j'utilise beaucoup pour la salade de pâte. Sinon, pour la trempette chaude, parce qu'il vient dans le trio extra normalement. Fait que, ouais. Puis j'ai terminé mon pot hier, parce qu'on a fait une trempette chaude. Fait que par chance, c'est arrivé ce matin. Ensuite, j'ai pris un pot de bouillon de légumes. J'avais le goût de tester ça, voir. Ils ont des bouillons de bœuf, poulet, pis ces choses-là. Enfin, il y a un ouf. Ça arrive tout le temps quand je fais des comme ça, là, je vous montre. Pas vraiment ce mon dégât après. Ensuite, ça, ça a l'air que c'est un des coups de cœur d'Épicure, là. Tout le monde triple là-dessus. Dans le fond, c'est meilleur que du bacon. Puis c'est littéralement des grains de bacon. Je vais mettre ça de même. C'est vraiment des grains de bacon. Mais c'est du faux bacon. C'est fait avec des haricots. Ça goûte le bacon, là. Tellement bon, ça n'a pas de bon sens. Ensuite, ça c'est comme un préf quand même. J'ai jamais essayé, mais c'est comme un que je voulais vraiment dans la collection d'été. Donc c'est salade de patates crémeuse. Ça sent ça, ça sent full bon. Ma soeur elle a le fait en salade de pâtes. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Je me suis commandé un deuxième pot là, parce que je suis quasiment sûre de l'aimer. Fait que c'est ça. Ensuite, j'ai commandé la cuillère 4 en 1. Je vais vous la sortir. Ok, peut-être pas. J'avais ouvert toutes les pots, mais celle-là, je l'avais pas ouverte. Dans le fond, c'est comme une cuillère parfaite là, pour rentrer dans les pots. Puis il y a comme des mesures dedans. Oh merde, on voit pas. Ouais, là, on voit. Il y a des mesures. Donc, c'est vraiment cool. Puis j'ai commandé. 3 sachets de General Tso. Ça, c'est un General Tso d'épicure. Fait que j'ai bien hâte de goûter à ça. Puis ça, dans le fond, ça vient comme un paquet de 3 quand on achète. Fait que voilà. Donc, c'était pas mal ça, ma présentation de produits épicure. Fait que voilà. Si jamais j'ai d'autres choses à vous présenter bientôt ou quoi que ce soit, ben je vous le dirai. Mais pour le moment, c'est ça ma petite commande.
Je suis vraiment contente. Fait que voilà. Donc, on va se probablement se parler plus tard. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Excusez-moi, c'est la lumière est un peu. Pas full belle, là, on est tard. Là. Il est comme 9h, 9h30. Puis là, ben, dans le fond, si vous ne reconnaissez pas le décor, je suis dans le bureau. C'est là où j'avais fait mon dernier unboxing. Donc, là, je viens de recevoir ma commande de Tupperware. Puis là, ben, elle vient d'arriver. Fait que j'ai peur de vous montrer ça. J'ai commandé ça là, à une amie à ma mère. Fait que je vais vous montrer ça. En fait, j'ai commandé le kit. Le nom, je sais pas. Mais en fait, c'est tout ça, c'est juste un kit. Puis ça m'a coûté 60$ parce qu'il était en promotion. Ouais, il m'a coûté 56$ plus taxes. Fait que ce qui est vraiment pas cher, puis ça valait 137$. C'est cool. Excusez pour le bruit. Donc, je vais commencer par ça ici. C'est la première chose que j'ai devant moi. Ok. Ok. Donc, dans le fond, je vous explique que c'est des. Je vais en ouvrir juste une. Parce que les autres, c'est la même chose. Ok, donc dans le fond j'ai comme la bouteille avec le bouchon. Là, tu mets ça ensemble. Là, ça se ferme plus que ça, ça ou pas? Ah oui, donc voilà, ils ont vraiment l'air cool. Je pense que ma soeur en avait déjà eu de tout ça, puis elle les aimait full. Fait que. Ouais, ils ont vraiment l'air cool. Donc, j'en ai dans le. J'en ai une jaune, une autre, une rose, une bleue, une orange et une rouge. Donc, toutes les couleurs. C'est vraiment cool. Ça. Dans le fond, c'est comme un pot à collation. Comme ça. Puis qui vient avec le cocktail. Comme ça. Donc, voilà. Donc, voyons. En tout cas, je sais pas comment ça se ferme, mais demain. Puis j'en ai dans le rose, orange. Rouge, orange, rose et jaune, encore avec le couvercle. Donc c'est pas mal tout en même chose. Là, ici, la pièce de résistance. J'ai hâte de voir celui-là. Okay, je vais prendre le premier que j'ai sur le top, là, c'est pas grave si c'est pas la même couleur. Si je peux. En fait, c'est comme des pots, comme ça, des plats à lunch. Puis, et dans le fond, il y a trois compartiments. Fait que c'est vraiment cool. Moi, j'aime vraiment ça, là, des plats comme ça pour les lunchs et tout. Là, actuellement, je fais plus vraiment de lunch vu que je suis comme à la maison à temps plein. Là. À temps plein pour le travail et tout à cause du COVID. Fait que, ouais, je suis en télétravail et tout. Fait que, tu sais, je me fais pas vraiment de lunch, mais tu sais, c'est quand même des. Pour vraiment cool, là. Pour vrai, je suis vraiment contente, là, d'avoir acheté ça. Fait que, tu sais, j'ai plusieurs couleurs. Dans le fond, il y a 5 couleurs, puis chaque couleur a son pot et sa bouteille. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment cool. Moi, j'ai pas vraiment une grande famille, tu sais, on est juste moi, mon amoureux. Puis Boubou, mais Boubou mange pas vraiment du lunch. Là, fait que, ouais. Puis, c'est ça. Fait que. Mais que j'aille au travail au pire, mais que je travaille plus de la maison. Oh, salut Neige. Ben, j'apporterai mes petits lunch là-dedans. Tu sais, c'est fun. Il y a comme. Tu peux mettre deux, mettons, des crudités avec la petite sauce, avec une sandwich, ou peu importe. Puis là-dedans, tu mets une collation avec. Ton breuvage dans ta bouteille. Puis, je peux peut-être vous montrer les couleurs. Je vais les ouvrir. Oh, désolé, j'ai manqué de place. Donc je vous ouvre les couleurs puis je vous reviens. Ok, donc là j'ai terminé de placer les trucs. Donc je vais vous montrer ça
un accident. Donc, comme je vous disais, il y a... oups, il m'a clippé celle-là, mais bon. Il y a jaune, bleu, rouge, rose et orange. Puis, ça y est, je suis vraiment d'amour, là. Ils sont vraiment beaux. Puis, ouais, il pleut là, comme ça, là. Ouais, je trippe. Je trippe déjà. Oh, il y a un cheveu dessus. Fait que, ouais, si vous voulez procurer, c'est des pots de Tupperware. Fait que, voilà. Puis les bouteilles d'eau, ils ont vraiment l'air pratiques, là. Je sais pas si c'est des combien de millilitres, là. Faudrait que je regarde. Mais ouais. Voilà.